Good morning, Aleiden. Les tutos aujourd'hui, le Lunishmat Amram Yona Ben Chana, Peggy Batister, Zabat Mazal Tov Shishporti, Simon Batlouni, Michal Novikov, aussi Dirfouat, Ruth Batloudin Traina, et Simcha Batmasou du Béthor Shachon Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez la communauté éternelle. Nous étudions à Sechet Shvuot, Perekret, Mishnah Bet. Amar le Shomer Chinam, Hechan Shori, Amar l'Omet, Vehu Nishbar. Chez Nishbar, au Nishba, au Nignav, au Avad. Nishbar, donc, il lui dit Nishbar, en réalité, Vehu, Shemet, au Nishba, au Nignav, au Avad. Nishbar, qu'est-ce qu'il affirme? Qu'il a été pris en captivité? Vehu, Shemet, au Nishbar, au Nignav, au Avad. Nignav, il affirme que Nignav, et en réalité, Vehu, Shemet, au Nishba, au Avad. Avad, Vehu, Shemet, au Nishba, au Nishba, au Nignav. Mashbiachani va amar amen, patour. On a fini la Mishnah. Je vous avais averti dans la Mishnah précédente de bien assimiler les mots Jvoura, Meta, Jvouya, Gneva, Vaaveda, parce que là dans cette Mishnah, il va y avoir que ça. Le principe, il est très simple. Il a Jvoua Tachomrim. D'abord, je l'introduis à l'oral, comme ça après, qu'on va voir ce qu'il y a écrit. Ça a l'air de faire peur un petit peu, c'est quoi tous ces mots qui se répètent, mais en réalité, c'est tout simple. Il y a. Le Shomer Chinam, on a dit qu'il était dispensé de payer dans toutes les situations, quelle que soit la manière dont l'animal est mort. Un Shomer Chinam, c'est un gardien non rémunéré. Je lui ai donné ma vache à garder, il m'a rendu un service. Je lui ai demandé pendant 3 heures, tu la gardes, je dois aller faire une course, tu la surveilles. D'accord? Si maintenant, pendant ces 3 heures, mon animal meurt, alors il sera dispensé. C'est-à-dire, s'il n'a pas fauté, il n'a pas fait de bêtises en laissant une porte ouverte, en laissant des voleurs s'introduire facilement, en laissant la porte ouverte, en laissant l'animal s'égarer de lui-même, alors il sera patour. Il devra juste jurer qu'il n'a effectivement pas manqué à son devoir de laisser les portes fermées. Mais il n'avait pas de devoir de monter la garde constamment. Ok ? De ce fait, il rêve de ce qu'on appelle que dans la pia, lorsqu'il faute. Pia, c'est qu'il est responsable, il est pochéa. Tandis que dans tous les autres cas, qui sont, on les répète, Shvura, met, l'animal meurt de lui-même. Ou bien Nishbar, il s'est cassé de lui-même, il s'est cassé une patte. Ou encore Nishba, il a été pris en captivité. Ou Nignav, il a été volé en cachette. Ou Avad, où il s'est égaré. Mais là, on parle qu'il s'est égaré dans la mesure où moi, j'avais fermé la porte de manière normale et quelqu'un, une autre personne est venue ouvrir la porte. Ou bien même l'animal lui-même, il a eu un petit coup de chaud et il s'est mis à défoncer la porte. Dans tous ces cas-là, le Shomer Chinam est dispensé. Maintenant, il s'avère qu'on se retrouve avec un... D'abord, excusez-moi, j'introduis une autre petite notion maintenant. Lorsque il y a un Chiyuv Shvua, Shvua Tachomrim, lorsqu'il y a un Chiyuv de jurer, un gardien doit jurer pour certifier qu'il n'a pas manqué à son devoir, alors, s'il a menti et qu'il était en réalité responsable, il s'est concrètement passé quelque chose qu'il aurait dû en théorie payer et qu'il a menti pour se faire dispenser de payer, alors lorsqu'il reconnaîtra son tort, il devra apporter un korban Hacham, Gezelot, je ne sais plus, Meilot plutôt. Hacham, ça revient en même, de toute façon, c'est le même principe. Il devra apporter un korban Hacham et rembourser en plus de ça le keren, le capital, et rajouter en plus de ça un cinquième, on l'apprendra dans la prochaine Mishnah. Mais ça, c'est uniquement lorsque, s'il a menti, il a menti pour se faire dispenser de payer. Mais si, il a menti, mais en réalité, quoi qu'il arrive, il n'était pas tour de payer. Seulement, il se sentait un petit peu mal à dire ce qui s'est passé réellement, il a menti, il a affirmé une autre chose. Par exemple, c'est ce qu'on va voir dans notre Mishnah. L'animal, en réalité, c'est pas qu'il est mort de lui-même. C'est que, l'animal, il est mort de lui-même. Mais il s'est senti mal de reconnaître ça, hein. Au propriétaire, il a préféré lui inventer une histoire un peu dingo en lui disant il y a eu des terroristes qui sont venus, ils sont mis à prendre des animaux et à les pousser. Ouais, ou je sais pas ce qu'il a raconté comme histoire un peu fofolle. Et donc l'autre, il a dit alors vas-y, jure-moi que c'est vrai, parce que t'as un devoir de jurer. Et au lieu de jurer naturellement qu'il est mort, il commence à lui jurer une histoire fofolle. Alors dans ce cas-là, puisqu'il est ce qu'on appelle les nishbam iptour, l'iptour, il devait de toute façon être dispensé. S'il disait la vérité. Et il a menti pour finalement se faire dispenser au même titre. Alors dans ce cas-là, il ne sera pas chayav de Shvuat Tachomrim, il devra apporter le korban Hacham.
question, est-ce que je devrais apporter un corban à cause de la joie de bitouille? On en parlera à la fin de la Mishnah, d'accord? Vous connaissez déjà la réponse, on l'a déjà évoqué 2-3 fois au moins, durant toute la Maseret, on le reprendra de nouveau ici. Pour le moment, on s'occupe de lire et traduire la Mishnah, ça va aller très vite. Et quand on arrivera à la fin de Barthénora, alors on reparlera de la question. Amar le Shomer Chinam, il a demandé au gardien non rémunéré, gratuit, Heichan Shori, où est mon taureau que je t'ai donné à garder? Amar lo Met. Et l'autre, il a dit, il est mort ton taureau, il est mort, et puis j'avais peur que ça se mette à pourrir, donc je l'ai enterré. Et en réalité, Veho Shenishbar, en réalité, il s'est cassé, il s'est complètement brisé, soit il a été tué par quelqu'un cette fois-ci. Onishba, il a été pris en captivité, il a disparu parce qu'il a été pris en captivité. Onignav, il a été même volé en cachette. O Avad, où il s'est égaré, il a été égaré. Soit il s'est perdu de lui-même, ou dans la mesure où j'étais pas fautif. D'accord, le gardien n'était pas fautif. Idem encore, s'il affirme plutôt que Nishbar, c'est une lourdeur de Mishnah, mais c'est le même principe. On a 5 cas de figure, c'est soit il affirme ça, et en réalité, ce qui s'est passé, c'est ça, ça, ça ou ça. Soit c'était, il y a eu ça, il affirme ça, mais en réalité c'était ça, 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 ça. Est-ce que la Mishnah va faire à chaque fois, donc ça va nous faire 25 mots pour la Mishnah. Amar lo met, onishbar, onignav, avad. Ou bien il a dit que Nishbar, qu'il a été brisé, qu'il s'est fait briser, il y a eu un missile qui lui est tombé dessus, mais en réalité, vous, Shemet, il est tout simplement mort de vieillesse. Onishba, il a été pris en captivité, il s'est fait voler. Onignav, même en cachette, il a été volé en cachette. O Avad, il a été égaré. Ou encore Nishba, il lui raconte qu'il a été pris en captivité, mais en réalité, Vehu Shemet, Onishba, Onignav, O Avad. Traduisez tout seul. Nignav, il s'est fait voler en cachette, et en réalité, Vehu Shemet, il est mort de lui-même. Ou bien Nishba, il a été brisé. O Nishba, il a été pris en captivité, O Avad, il a été perdu. Avad, et en réalité, Vehu Shemet, Onishba, Onignav. Vous avez bien compris le principe. Dans tous ces cas-là, Mashbiachani, la personne, le propriétaire, lui dit alors vas-y, je te demande de jurer que ça s'est effectivement passé comme ce que tu dis. Et l'autre, il jure, je te jure que ton animal est mort. Et en réalité, l'animal, il n'est pas mort, l'animal a été volé. Donc il est mis ptour, liptour, puisque de toute façon, si tu disais la vérité, on t'aurait demandé de jurer qu'il a été volé et tu aurais été dispensé de payer. T'as préféré mentir, mais pour finalement dire la même chose. Dire que t'es pas tour de payer en disant que l'animal il est mort de lui-même, au lieu de raconter qu'il a été volé. Donc t'es mis tour, liptour, de ce fait, pas tour. Il sera dispensé, il sera exempté d'apporter le korban, le korban hacham pour celui qui ment. D'accord? Est-ce que l'aura menti malgré tout? C'est là, vous avez bien compris. Il a menti, concrètement il a menti. Il a juré en mentant, mais finalement, son mensonge ne l'a pas aidé à se faire dispenser de payer une chose qu'il aurait dû payer, parce que de toute façon, il était dispensé de payer. Donc dans un cas pareil, il n'y a pas de chriouv hacham, d'apporter le korban hacham des champions. Adamar Amen Paturidil Bartenora, il a répondu Amen, donc il sera dispensé. Sheilo Oda Loya Meshalem Klum, car s'il avait reconnu il avait dit la vérité de ce qui s'était réellement passé, et alors, il n'aurait rien eu à payer. Nimsa Shen Gan Kfirat Mamon. Il s'avère qu'il n'a pas nié de l'argent en jurant. C'est pour ça qu'il est dispensé d'apporter le korban. Et bien qu'il a concrètement menti en jurant, Lochiva Torah Korban Shvua El Aecha Shekafro Mamon. La Torah ne lui a imposé d'apporter un korban Shvua, c'est-à-dire sur la Shvua des Shomrim, alors que si El Aecha Shekafro Mamon, que s'il nie de l'argent. Idem, le juge ne peut imposer de jurer que sur une chose, que s'il avait reconnu la vérité, il aurait été chayav de payer de l'argent. D'accord? C'est-à-dire, ça concerne plus la suite, c'est un peu trop... On va pas expliquer cette phrase. Pour ce qui m'intéresse, moi, par contre, c'est de vous rapporter une question qu'on a déjà évoquée trois fois, c'est important de savoir. Si je récapitule finalement, on a ici un gardien qui est en train de mentir en jurant. Je jure que ton animal, il est mort parce qu'il y a eu des terroristes qui sont venus qui l'ont tué. En réalité, il n'y a rien eu de tout ça, il a pris un coup de soleil un peu trop violent et il est mort d'une crise cardiaque. Il est mort, il a été desséché complètement et je l'ai enterré pour ne pas qu'il se mette à pourrir. Donc finalement, j'ai juré à faux. J'ai juré que ce qui s'est passé, c'est que l'objet, l'animal, il a été pris en captivité et en réalité, il est mort de lui-même. Donc je suis pas tour d'apporter un korban, le korban de Hacham. Mais malgré tout, il y a une question importante.
Mais finalement, il s'avère que j'ai juré à faux. J'ai dit, je jure, Béchem Hachem, que ton animal, il est mort. Et en réalité, il n'est pas mort, il n'était pas en captivité. J'ai menti. Alors, est-ce que je devrais apporter un corban sur la chevoie de Bitouille, un corban khatat cette fois-ci, comme ce qu'on apprenait dans le troisième pérègle de Massechet Shuvot? Alors, bien sûr qu'il faudra que j'apporte un corban de chevoie de Bitouille si les conditions de la chevoie de Bitouille sont remplies, à savoir que j'étais Béchogeg, à la différence de celui du chômer, qu'il est chayav d'apporter le corban Hacham, même lorsqu'il est méside. Il sait pertinemment qu'il ment, malgré tout, il doit apporter un corban pour le Hacham. Mais lorsqu'on est en chevoie de Bitouille, il doit nécessairement être Béchogeg. Ça veut dire ne pas savoir qu'il est chayav d'apporter un corban si toutefois il ment. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha.